Nous allons passer la parole au groupe Accès aux services essentiels. Madame Martine Robineau, vice-présidente du Cercle des solidarités francophones, avec Monsieur Soumanou. Voilà. Okay. Merci, Madame la Directrice. Nous avons organisé l'atelier sur l'accès aux services essentiels pour le développement en partenariat avec le Cercle des solidarités francophones et le Forum francophone des affaires. L'atelier a été organisé en deux parties autour de d'une première table ronde qui voulait écouter vraiment la contribution des opérateurs économiques internationaux pour leur offre en matière de services essentiels pour les populations les plus défavorisées. Et pour ça, nous avons écouté un fournisseur d'énergie qui s'appelle EDF, un fournisseur d'eau, Veolia, un fournisseur de télécommunications, France Télécom, et aussi un partenaire qui travaille avec l'ONU Habitat. C'est toujours Veolia Entreprises. Et deuxième table ronde, nous avons écouté également les représentants des institutions nationales et internationales sur ce qu'elles offrent en matière d'accès aux services essentiels. L'objectif, c'était de faire un constat sur les contributions de ces partenaires et puis aussi proposer des recommandations, voire même une feuille de route par rapport à Rio+20. Constat. Première chose, c'est que la pauvreté ne peut être réduite s'il n'y a pas vraiment un meilleur accès aux services essentiels, on est d'accord, et que dans la plupart des pays francophones en développement, il manque d'infrastructures et de ressources humaines, et que problème important qui interpelle tout le monde, c'est que les convergences technologiques aujourd'hui en matière de certains secteurs de services essentiels, tant horizontalement que verticalement, offrent de réelles opportunités, mais très encore sous-exploitées, et qu'il existe des initiatives d'investissement intéressants, nord-sud et sud-sud, qu'il va falloir vraiment accompagner par un partenariat public-privé très bien compris. Alors, autre chose également, c'est que les pays en développement francophone ne tirent pas suffisamment accès des accords commerciaux et même des accords environnementaux multilatéraux, faute de capacité institutionnelle, alors que d'autres négociations sont en cours et il va falloir vraiment faire quelque chose. Les conclusions. Alors, il ressort vraiment de nos discussions, de nos échanges avec une cinquantaine de personnes que les actions réalisées par ces entreprises et aussi par les institutions nationales et internationales constituent de bonnes pratiques qu'il va falloir vraiment s'en approprier et les démultiplier, après avoir diffusé vraiment aux différentes parties prenantes. Et il est important d'associer l'ensemble des acteurs francophones, tant au niveau des gouvernements que des collectivités locales, mais aussi les bailleurs de fonds, et afin de définir une approche intégrée pour l'accès aux services essentiels, dans le cadre bien évidemment de partenariats publics-privés. Et autre chose également, c'est vraiment être pragmatique, parce que le danger est là, dans la démarche, en associant le savoir-faire et la capacité des investissements du secteur privé. Et pour cela, il faudra vraiment définir un cadre institutionnel et contractuel incitatif. Recommandations pour En marche pour Rio 2012. On l'avait dit, renforcer les capacités des États francophones en développement dans la formulation et la négociation des offres de libéralisation des services essentiels compatibles avec leurs besoins de développement, pourquoi pas dans le cadre des accords en négociation entre les pays ACP et l'Union européenne. L'élargissement du dialogue sur les services essentiels aux organisations d'intégration économique régionale, très, très, très important, mais en associant également les institutions spécialisées de ces organisations régionales qui ont vocation à répondre à des problèmes très précis. Autre chose également, c'est susciter un dialogue au sein de la francophonie entre les établissements financiers publics de l'espace francophone pour la mise en place des mécanismes de financement ou de garantie pour des projets conjoints Nord-Sud ou Sud-Sud. Et bien évidemment, les initiatives de décentralisation qui, pour la démocratie locale, constituent une priorité pour la marche vers Rio+2. 4 questionnements, Madame la Directrice, ont été posés et je crois que ça va nous permettre de travailler avant Rio. Soumis, en tout cas, questionnements sont soumis à l'OIF et ses opérateurs pour réflexion future. Comment promouvoir une approche horizontale ou verticale de la problématique de l'offre des services essentiels dans l'espace francophone en matière d'eau, en matière de l'eau, l'électricité, les services de santé, les services de télécommunication, bien évidemment, mais dans la mesure où certains services essentiels sont vraiment transversaux. On le voit dans le cadre de la santé, l'eau et l'électricité, santé, électricité ou santé, services, assainissement d'eau. Ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième, c'est vraiment de voir s'il y a des véritables niches d'opportunités ou de créneaux dans lesquels la solidarité francophone peut constituer des cas de bonnes pratiques duplicables à l'échelle locale, nationale ou régionale. Et puis, troisième questionnement, c'est dans quelle mesure... Enfin, quelles sont les mesures de partenariat quadripartite on peut pouvoir mettre en place OIF, agences de développement et entreprises pour amorcer à l'issue de cette pour amorcer une dynamique d'investissement dans les secteurs des services essentiels dans le pays en développement. Et dernier questionnement, c'est dans quelle mesure insérer la problématique de l'offre de services essentiels dans les travaux en cours sur les financements innovants ou l'aide pour le commerce. 3 thèmes porteurs ont émergé de l'atelier. C'est qu'il existe en tout cas un besoin d'une documentation de référence sur les synergies transversales et complémentaires entre les politiques de services de santé à trouver et aussi la mise en place d'une approche intégrée multi-bailleur, si cela est possible. L'étape d'ici Rio, 2 propositions, c'est organiser une concertation entre les opérateurs de la francophonie et les partenaires de l'atelier pour étudier la faisabilité de ces recommandations et des questionnements subventionnés, mais aussi commettre une étude, si cela est possible, sur les différentes expériences en vue d'établir une feuille de route pour le renforcement des capacités juridiques, économiques et financières dans un échantillon de pays sur le lien entre le commerce et les services de santé pour les pays en développement. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps. Merci. Merci, Monsieur Soumanou. Merci.